Bonjour mes chers choisis. Alors vous savez que vous êtes appelés à faire de grandes choses. Et vous avez essayé dans le passé, mais le diable n'a fait que... Donc là vous tombez sur ma chaîne et là vous vous dites, oh, wow, ce qu'elle dit, ça correspond trop avec moi. Mais vous êtes sans cesse ralenti. Premièrement parce que vous pensez que tout le monde vous déteste. Like. Pourquoi est-ce qu'ils veulent tous m'empêcher d'avancer? Pourquoi? Je suis gentille, je suis... Écoutez, en tant que choisi, tu dois comprendre que ce n'est pas tout le monde qui veut ton progrès. Et autour de toi, 98% ne veulent pas ton progrès. Même les gens qui te suivent, même tes followers. Ils vont te follow quand ils voient que ça ne va pas. Oui, ça va, elle... Ah ben attends, attends, je vais te montrer comment faire tes directs. Je vais te montrer comment parler. Je vais... Attends, si tu connais, pourquoi tu ne l'as pas fait toi-même? Quand vous pensez déjà que vous êtes choisi, quand vous commencez déjà à dire au monde entier que je suis choisi, parce qu'un choisi, c'est quelqu'un qui sait qu'il a de grandes choses à accomplir, vous aurez la jalousie des gens vers vous. Oui. Habitude, elle croit qu'elle est qui? Parfois, c'est même ton mari. Parfois, c'est même l'homme avec qui tu dors là. La femme avec qui tu dors là. Le gars qui te drague là. Elle pense même qu'elle est... Elle pense que quoi? Donc, vous devez déjà vous habituer au fait qu'ils ne vont pas vous aimer. Get used to it, baby girl. They ain't gonna like you. So why are you forcing? Avant, en fait, je me disais que peut-être c'est moi, peut-être... Maybe it's me, you know. Maybe I'm too. I don't know. Pourquoi je fais l'effort, mais vous ne voyez pas? Jusqu'à ce que je comprenne que c'est une stratégie qui est dans ma direction. Les Decepticons, ces personnes-là qui ne veulent pas ton progrès, vont tout faire pour te montrer que tu ne vaux rien. Parfois, ce sont même tes parents, hein. Quand tu grandissais, on est venu annoncer à tes parents que non, la fille a fait de grandes choses. On pressent vraiment, elle va impacter le monde. Parfois, ils disent, ok, on va aller fermer ses yeux. Donc voilà, tu grandis. Tu arrives à l'église, on ne fait que prophétiser sur ta vie. Oh, tu es censé faire telle chose. Tu as une grande destinée. Tu es censé avoir beaucoup d'argent. Mais pourquoi ils n'arrivent même pas à manger chez moi? Tu as trop pris tout le monde comme toi-même. Deviens sage. Quand tu vas m'écouter, je veux d'abord que tu te rendes compte qu'il y a des gens autour de toi qui ne veulent pas ton bien. Ça ne veut pas dire que tu vas marcher en étant parano, genre, ils me détestent, elles me détestent, ils me détestent. Non. Mais tu dois te rendre compte qu'il y a des gens autour de toi qui ne veulent pas ton bien. Quand je m'en rends compte, je ne me confie plus à tout le monde. Je ne dis plus mes choses à n'importe qui. Quand ça va dans ma vie, je ne montre pas à n'importe qui que ça va. Ce n'est pas tout le monde qui doit savoir ce que vous faites. Ce n'est pas tout le monde qui sait que tu as acheté la voiture. Parfois, ils ne peuvent pas venir t'attaquer comme ça, indirectement, spirituellement. Mais ils vont venir devant toi. Ça ne va même pas marcher. On m'a dit que vraiment, quand on achète le terrain dans la zone ci, ce n'est pas vraiment, c'est marécageux, ça ne va pas donner. Oui, on m'a dit que quand tu lances les camions en route pour que ça fasse le business, ça tombe, la zone là n'est pas bien. Ouais, qu'est-ce qu'ils ne vont pas te dire pour te décourager? Acceptez le fait qu'il y a les gens là-dehors qui vous détestent. Qu'il y a les gens là-dehors qui ne seront jamais contents de votre progrès. Quand tu peux accepter, tu ne te focalises pas sur eux, mais tu n'as pas, tu n'es plus non plus dégoûté. Genre, oh, elle me déteste. Oh, oh, il est jaloux de moi. I'm used to it, you know, I'm so used to it. Je suis habitué. Ben, ça ne me dérange pas. Arrêtez d'être surpris par les choses. Mais c'était ma meilleure amie. On a grandi ensemble. Mais ma chérie, arrête d'être surprise. C'est la nature des choses. Jésus lui-même avait des ennemis. Même Judas, qui est l'un de ses égards les plus proches, l'a trahi. Ah, donc tu es venu sauver la terre. Tu es venu sauver le monde. Oui, je le vends. Vous me donnez combien? 30 pièces. Oui. Prenez-le. Si la
esclaves, ils ont vendu Jésus combien de fois vous? Arrêtez d'être... Ne soyez plus déçus, s'il vous plaît. Ça doit devenir... Ah, yeah. Ok, bye. Oh, oh. Que ça ne vous détonne plus. C'est ce que je dis, ça vous touche. Hein? Si vous m'avez écouté jusqu'à la fin, vous êtes un choisi. Vous êtes une choisie. Maintenant là, décidez-vous. Qu'est-ce que vous allez faire de différent? Quels sont les décepticons de votre vie? Qu'est-ce que vous allez faire pour les ignorer? Qu'est-ce que vous allez lancer de nouveau? Parce que bien sûr, ils n'aiment pas quand on avance. Ils n'aiment pas quand on lance de nouveaux business. Oh, je vois qu'elle vend maintenant les habits.